Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'un produit que je n'ai encore pas testé sur cette chaîne. Il s'agit des pastels à l'huile. Donc aujourd'hui on va tester des pastels à l'huile de chez Artix. Donc c'est parti, on y va. Alors oui, c'est vrai que les pastels à l'huile c'est quelque chose dont je vous ai encore très peu parlé sur cette chaîne, alors que pourtant c'est un médium que j'apprécie beaucoup. Donc on va tester aujourd'hui, on va en parler, je vais essayer de vous expliquer 2-3 petites choses et puis tester. Donc les pastels à l'huile de chez Artix. Donc ce sont des produits que je n'ai pas achetés, c'est des produits que la marque m'a envoyés. Donc merci beaucoup à Artix de me les avoir envoyés. Ils m'ont donc envoyé la boîte de 48 couleurs. Ils m'ont également envoyé un lot de 10 pastels blancs supplémentaires. Donc ça c'est un très bon point, mais on en revient juste après. En tout cas, on a une belle boîte cartonnée et on va parler un petit peu plus de cette boîte. À savoir donc les pastels à l'huile, comme leur nom l'indique, ce sont des pastels, donc ce sont des pigments qui sont mélangés à un médium à base d'huile pour avoir du coup des craies. Donc je vous en avais parlé rapidement quand on avait parlé des néocolores et je vous reparlerai de des propriétés et des pastels dans une vidéo dédiée. Sinon on va pas s'en sortir, on va faire une vidéo d'une heure, ce qui n'est pas le but. Mais en tout cas les pastels à l'huile c'est très agréable à travailler dans le sens où c'est gras, donc ça se pose bien, c'est très pigmenté, c'est très intense, ça amène une certaine matière, une certaine texture. C'est une matière que j'apprécie beaucoup, maintenant ça reste assez particulier dans le sens où il faut aimer se salir un petit peu les mains ou mettre des gants. Parce que les pastels vont souvent, vous allez souvent vous retrouver avec du pastel sur les doigts, parce que c'est comme pour les pastels secs c'est poudreux, les pastels gras c'est gras, donc on a toujours des pigments sur les mains. Donc il faut bien penser à mettre soit des gants, soit à se laver les mains régulièrement. Mais en plus de ça, je trouve que c'est très agréable en termes de mélange de couleurs, de texture, pour donner de la vie à un dessin. Je trouve que c'est assez rapide grâce au fait du grain, de la matière, de la texture du pastel qui va se mélanger. Je vous montre les couleurs et après je vous parle des pastels blancs, pourquoi c'est important d'en avoir pas mal. Voici donc le lot de couleurs des pastels de chez Artix. Je vous mets le prix juste ici parce que je ne me souviens plus du prix, donc je vous mettrai juste là. Dans tous les cas, généralement les prix de chez Artix, ils sont vraiment bons en termes de rapport quantité qualité prix, donc je m'inquiète pas trop. Et puis si j'ai accepté, c'est que le prix allait bien, parce que je vérifie toujours avant d'accepter une collaboration quand même. Et en termes de couleurs, on est vraiment bien aussi, hein. Si vous voyez, on a vraiment un large panel. On a des couleurs blanches, jaune, orange et rouge, du rosé, du bleu, du vert, du violet, des marrons. Donc on a vraiment déjà de tout avant même d'avoir fait les swatchs. Déjà il y a un très bel éventail, donc ça c'est un bon point. On est sur une boîte qui est rigide avec un support en mousse pour bien bloquer tous nos pastels, donc ça c'est un bon point aussi, parce que les pastels c'est fragile, donc il faut faire attention. Donc le packaging est bien, donc ça permet que les pastels tiennent bien dans le temps. À savoir aussi, c'est qu'ils ont l'air d'être assez rigides parce qu'il y a quand même eu la route pour aller jusqu'à vos boîtes aux lettres et ils ont survécu, donc c'est un bon point. On a également une petite mousse dans l'autre sens pour protéger comme ça, donc ça permet également de protéger les pastels, sachant que c'est gras, ça peut tacher, donc c'est toujours bien d'avoir des mousses de protection. Si je vous parle du fait que j'ai eu un lot de blanc en plus, c'est qu'en fait les pastels, on va souvent les mélanger, on va les éclaircir, et pour ça il faut du blanc. Donc le blanc c'est un outil qui est énormément utilisé en pastel à l'huile, en tout cas moi c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et l'autre, mais ça j'en ai pas eu, je sais pas s'ils en ont, mais un autre outil que j'utilise énormément, c'est le pastel incolore, parce que justement quand on veut mélanger des couleurs mais qu'on veut pas les rendre plus claires, il nous faut du transparent, et ça existe les pastels incolores pour mélanger nos couleurs ensemble. Après, quand vous voulez mélanger deux couleurs ensemble de foncé, vous pouvez les mélanger également ensemble. C'est l'avantage en fait, c'est que c'est comme l'écran de couleur ou l'aquarelle, on peut mélanger nos couleurs, mais là ça va se mélanger de manière beaucoup plus intuitive tout de suite. Ça va se mélanger vraiment comme quand on mélange deux couleurs de peinture ensemble avec un pinceau, ça va se faire pareil avec les pastels, donc c'est vraiment très très cool. Mais pour le clair, là pour le coup, pour éclaircir, vous ne pourrez pas mettre d'eau, vous ne pourrez pas mettre un coup de pinceau, ça ne suffira pas, il vous faut du blanc. Donc le blanc est très 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 utile. Et ça part très vite, d'où le fait qu'il y a un lot de 10. Et ça c'est un très bon point de penser à proposer un lot directement que de blanc. Donc merci beaucoup, parce que ça c'est très très utile. Comment sont composés les pastels? Les pastels sont composés comme des pastels classiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a un petit manche. En termes de longueur et d'épaisseur, on est à peu près sur quelque chose d'assez standard. On a donc
tout le pastel qui est là, donc le médium plus le pigment, et on a juste un petit papier tout autour. Donc c'est généralement du papier, et c'est le cas ici, pour pouvoir facilement le déchirer au fur et à mesure, pour que si justement vous arrivez là au niveau du pastel et qu'il y a le papier, vous puissiez déchirer un peu sans tout déchirer, pour pouvoir quand même avoir un support papier pour ne pas vous salir trop les mains. Sur le papier, il y a bien écrit la marque que ce sont des pastels à l'huile, donc comme ça on a toujours un petit rappel au cas où. Et on a la référence donc, qui est sur le devant ici, avec le nom de la couleur ici. Mais on a, et ça c'est très malin de leur part, remis tout en bas ici la référence et le nom de la couleur. Donc on a bien la référence sur la longueur, mais on l'a également sur le manche. Donc c'est très très bien, parce qu'en fait, ce qui faisait un peu peur quand au début j'ai vu la référence là, c'est que si on déchire au fur et à mesure, on n'a plus la référence. Mais la référence est écrite tout en bas. Donc dès que vous arrivez à là, techniquement déjà c'est bien plus très utilisable. Donc vous pouvez racheter que la référence que vous voulez. Donc ça c'est un très bon point également. Et si vous arrivez, ce qui n'est pas évident, à les garder bien organisés dans votre boîte, vous pouvez également avoir un rappel avec toutes les couleurs et toutes les références à l'arrière de la boîte. Donc ça c'est pareil, c'est un très bon point, comme ça, comme elles sont remises dans l'ordre, vous pouvez également vous aider pour retrouver votre couleur si, je ne sais pas, vous tachez votre papier et que vous n'avez plus la référence de votre pastel, vous avez quand même toutes les références ici qui sont renotées. Donc c'est un bon point également. Bon, juste à première vue comme ça, en ayant déballé avec vous, en voyant l'état de la pochette et de ce que vous avez pu voir, j'en ai mis sur mon doigt, ils sont très 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 crémeux. Pour vous dire, c'est que j'en ai testé pas mal, hein. J'ai testé les Raphaël, les Van Gogh, les Sennelier, et ils sont pas tous à tâcher tout de suite le doigt, enfin à se déposer tout de suite sur le doigt. Donc ça va dépendre des goûts. Moi personnellement j'adore. J'adore quand ils sont très crémeux et qu'ils vont se poser très facilement sur le papier, parce que du coup ça amène beaucoup de matière, beaucoup d'opacité et beaucoup de texture. Donc du coup pour moi c'est un très bon point, et là comme ça à première vue je suis très contente. Un petit hic, ce n'est pas la faute du produit, je le dis tout de suite, c'est un petit hic par rapport à la période où on est. Alors là, aujourd'hui exceptionnellement il pleut, mais ces derniers temps, je tourne là en août, et donc du coup ces derniers temps il a fait chaud, et vous le voyez très certainement, je suis dans mes combles, donc il fait encore plus chaud ici qu'en bas, donc les pastels disons qu'ils ont pris un petit coup de chaud. Donc il y a un petit peu du médium qui est revenu dessus, ça c'est pas très grave. Par contre ils sont aussi du coup je pense plus crémeux que normalement. Donc la difficulté de ça, c'est que je pense qu'ils vont avoir du mal à faire des détails fins sur mon papier actuellement, parce qu'ils vont être je pense un petit peu trop fondants. Mais là c'est pas la faute du pastel, c'est plus la faute de la météo, dirons-nous. C'est d'ailleurs quelque chose à prendre en compte quand on fait du pastel à l'huile, il faut penser à la météo. Donc si vous faites ça en plein mois de décembre, alors ça va dépendre de la marque, peut-être que les Artix, pour le coup, faudra que je reteste cet hiver, mais il y a beaucoup de pastels qui vont avoir du mal à bien se poser ou à se mélanger tout de suite. Il va falloir les mettre sur un chauffage juste sur le dessus ou à côté, ou donner un petit coup de sèche-cheveux pour les réchauffer, pour aider à ce que ça se repose bien, que ça soit un peu plus, un peu moins froid et donc glacé. Donc ça va dépendre des marques. Par exemple les Raphaël, ils sont ultra secs, hein, ultra glacés, donc il faut vraiment y aller pour les refaire fondre. Les Sennelier par exemple, à n'importe quelle période, vous pouvez les poser, ils se poseront. Ils seront certes moins facilement mélangeables en hiver qu'en été, mais ils fonctionneront. Pour les Artix, je ne sais pas, je viens de les recevoir, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe en hiver, mais vu comment là ils sont très 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 crémeux juste au toucher au mois d'août, je pense qu'on va plus être sur un type comme les Sennelier où il n'y aura aucun souci cet hiver. Donc ça c'est un bon point. Comme je vous le disais, la seule chose c'est que je sais pas comment je vais faire pour les détails à cause de la chaleur actuelle pour finaliser ça, mais je précise bien qu'il faut pas le prendre en compte comme un défaut du produit, mais bien comme un défaut de température. Voilà. Mais bon, déjà on va tester sur des swatchs, ça va me permettre un petit peu d'appréhender les pastels, voir un petit peu comment ils sont. Ce sera déjà un petit peu plus facile pour moi de me rendre compte. Donc c'est parti pour les swatchs. Je prends donc mon carnet de chez I Love Art et je vais d'abord noter toutes les références, et ensuite
je ferai toutes les couleurs. C'est parti, on ouvre le carnet, on rajoute bien entendu le titre et le nombre de pastels, mais aussi toutes les références, parce que là on a quand même 48 couleurs, donc je vais marquer les références en amont, et ensuite je ferai les swatchs pour que ça soit plus facile pour moi à faire et à monter, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu long. Et vous voyez, même le blanc, on le voit. Par contre, il y a une texture qui reste. Alors, ça arrive souvent sur les pastels à l'huile, alors pas tous. Là, vous voyez, il y a même un peu de médium qui a un petit peu suinté. Alors ça, ça doit être dû à la chaleur parce que ils sont arrivés dans ma boîte aux lettres en plein mois d'août. Qu'on est dans ma véranda en plein mois d'août. Enfin, dans mes combles en plein mois d'août. Je me trompe d'étage, donc c'est encore plus chaud. Donc voilà. Mais ça permet aussi de pouvoir bien les dégrader et de pouvoir les mélanger facilement. Vous voyez avec mes doigts comment ça s'est étalé. Donc c'est déjà un très bon point, c'est qu'ils se posent, ils sont très crémeux, ils sont très pigmentés, les couleurs sont intéressantes, il y a des beaux roses, il y a des beaux marrons, il y a des beaux jaunes, donc ça c'est cool. Voilà, le violacé et le taupe, ils sont super beaux. Franchement, il y a de très très belles couleurs. Là, il y en a dans les bleus qui sont incroyables que je viens de poser, le vert aussi là, ils sont magnifiques. C'est vraiment des très très belles teintes, j'avoue que je suis très très contente de ça. Et ça se pose vraiment tout seul. Du coup, je m'en mets plein les doigts rien qu'en essayant de les attraper. On fait un petit test aussi de mélange de couleurs et on rajoute donc le blanc pour flouter les deux couleurs ensemble. Et vous voyez, ça, bon, ça pastellifie encore plus, mais ça se mélange super bien. Vraiment, c'est ultra onctueux, c'est juste génial. À savoir, par contre, c'est quoi là, dès qu'on mélange avec du blanc, c'est que ça va du coup beaucoup s'éclaircir. On peut dégrader et ramener une teinte de blanc nickel, sans aucun problème, vous voyez, donc ça c'est super cool. Franchement, là, en termes de panel de couleurs, on est bien. On est vraiment bien, on a vraiment des belles couleurs. C'est vraiment, du coup, comme je vous l'avais dit, très crémeux. Ça se pose tout seul. Alors, il y a un petit grain assez texturé qui est là, hein, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça c'est plus dû à la chaleur qu'au pastel. Mais sinon, ça rend très très bien, donc il y a beaucoup de matière qui se pose. Mais du coup, je pense que quand il fera moins chaud, ça va être juste génial à travailler. Je pense déjà que là, je vais passer un très bon moment. Et je pense que ce sera encore mieux après. Parce que je supporte pas les pastels gras qui sont secs et où il n'y a rien qui se pose et il faut gratter. Je déteste ça. Et ça, c'est une question de goût également. Du coup, ils ne sont pas comme ça, donc ça me fait très plaisir. En termes de couleurs, il y a vraiment des couleurs magnifiques. Il y a des vraies couleurs assez intéressantes, un peu vibrantes, un peu différentes. Il y a aussi les classiques. Donc ouais, je pense que là, on a un très très bon panel pour faire des mélanges. J'ai également cherché à faire un mélange de couleurs ici, ça se mélange bien. On peut rajouter le blanc qui est nickel. Et comme je vous le disais, la seule chose, c'est que c'est un petit peu délicat de mélanger beaucoup les couleurs là à cause de la chaleur. Pas à cause des pastels, je pense, encore une fois. Comme je vous le dis, il faudra que je reteste quand il fera un peu moins chaud. Par contre, du coup, on peut utiliser le doigt ou un pinceau pour mélanger les couleurs. Donc, vous pouvez utiliser des outils de modelage plutôt plat, hein, pour pas enlever la matière, sauf si vous voulez enlever de la matière. Un pinceau, ça marche aussi très bien. Prenez un pinceau synthétique et qui ne vous coûte pas trop cher parce que vous allez devoir le nettoyer à l'essence de térébenthine ou à la voie spirite pour enlever le gras. Et sinon, vous pouvez utiliser également votre doigt. Étant donné que là, qui est du gras sur votre doigt et de sébum, c'est pas gênant vu que de toute façon le pastel est fait à base de gras également. Donc c'est pas trop gênant non plus. Faut juste faire attention à ne pas avoir d'autres couleurs qui ne sont pas prévues des pastels que vous aurez sur vos doigts au fur et à mesure de votre réalisation. Donc là, moi comme ça, je vois à peu près comment les travailler. Ça me permet justement d'appréhender un petit peu la matière. Les couleurs sont vraiment là, la matière est vraiment intéressante et vraiment... c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup sur cette chaîne, mais j'adore les pastels à l'huile et là pour le coup je suis vraiment contente de ça et j'espère vraiment que cet hiver ils vont être un tout petit peu moins crémeux pour avoir un peu plus de facilité dans le détail, parce que je suis sûre que si c'est ça, je vais adorer. Déjà là, je pense que j'ai passé un bon moment. Oui, mon avis est très positif dès le départ. Non, ce n'est pas parce qu'ils m'ont été offerts, hein, mais c'est vraiment sincère. Encore une fois, tous les produits qu'on m'envoie, je demande toujours à donner mon avis sincère. Donc s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je le dirai toujours. Ou alors, ce ne sera pas sur ma chaîne du tout. Voilà. Je vais utiliser mon carnet de chez Artix. Tant qu'à faire,
on va utiliser les produits de la marque. Donc il m'avait envoyé dans une précédente vidéo un de leurs carnets qui est du 180 grammes si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est très pratique, c'est pas trop épais mais c'est pas non plus trop fin. Donc ça va être très très bien pour le pastel. Donc on va partir là-dessus. Exceptionnellement, aujourd'hui, je n'ai pas fait de petits rough. J'en ai pas fait. Je vais partir sur un petit chat et du coup, bah, au terme de couleur, je suis partie sur quelque chose d'assez classique. Un petit chat, un petit gris avec des yeux verts jaunes. Donc on s'y met directement et bon, je ne vais pas du tout faire comme je dis à chaque fois de le faire. Normalement, il faudrait passer tout de suite sur le fond, les poils, ramener un peu, dégrossir le tas. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire le nez, donc de faire un détail. Donc déjà, je ne suis absolument pas mes conseils. Bravo madame. Mais c'est vrai que j'avais envie avant tout de tester un petit peu la matière, voir comment j'allais pouvoir travailler les matières ensemble, les couleurs pour faire de la texture, parce que bah, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est très crémeux, donc ça c'est un très bon point, mais par contre ça me limite beaucoup dans le détail, étant donné que là je vais faire beaucoup de poils, il fallait que j'appréhende un petit peu plus la matière en profondeur, donc je me suis dit que j'allais tester avec le nez. Donc j'ai posé du rose, j'ai rajouté le blanc et j'ai rajouté un rose violacé qui me permet d'avoir un rose un peu plus froid. Et j'utilise un pinceau synthétique, donc là c'est un pinceau plat un peu langue de chat que j'ai acheté chez Sostrengren il y a quelques années. Donc ça va me permettre voilà, de pouvoir flouter et d'étaler la matière pour pouvoir avoir quelque chose un peu plus dégradé. Là je rajoute un petit peu de rose rouge pour amener un petit peu de foncé au niveau des naseaux. Et je me sers du pinceau, vous voyez, pour pouvoir faire des lignes et donc des détails. Ça reste assez limité quand il n'y a pas de pastel en dessous. Là, je l'avais fait, mais le blanc au niveau du museau était totalement du papier. Donc, c'était un petit peu délicat. Les couleurs que je viens de vous montrer, c'est les couleurs pour mon pelage. J'ai mis un peu de scotch. On va voir si ça supporte le papier, supporte le scotch. J'ai un peu peur que non. Mais bon, au moins comme ça permet de tester également ça sur le papier. De protéger un petit peu le papier autour pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près propre autour de l'illustration. Et je passe donc, comme vous avez pu voir, au pastel. Je commence par contre du plus clair au plus foncé. Même si on peut revenir par-dessus avec les pastels, l'avantage c'est que là on peut repasser dessus. Vaut mieux quand même commencer avec le plus clair et d'assombrir au fur et à mesure. Donc j'ai posé mon clair, je l'ai flouté avec du blanc, j'ai ramené un peu de marron clair, j'ai ramené un peu d'ocre, j'ai ramené un peu de marron chocolat et là j'ai un marron très foncé limite noir que je floute et au fur et à mesure je floute avec mon pinceau pour bien mélanger les matières et de temps en temps je reprends une des anciennes couleurs pour reflouter, pour remettre un peu de la couleur qui manquait, ce qui permet de redonner un petit peu de matière et de superposition dans mon pelage. Ce qui est important c'est de ramener voilà du contraste un petit peu partout, de ramener voilà des nuances partout et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à ramener quand même des fois du clair et vous voyez là, je recouvre mais sans aucun souci certaines zones foncées. J'ai voulu essayer de ramener plus de détails fins avec l'arrière de mon pastel, ce qui n'a pas forcément bien marché. Donc on passe à la deuxième technique qui est d'utiliser l'arrière de mes pinceaux pour gratter et récupérer le clair, donc le pastel clair que j'ai mis au départ, pour avoir l'effet de grandes moustaches ou de pelage. On peut également utiliser des outils en silicone qui servent à la sculpture en général ou à poser du drawing gum. Donc je tire un trait, j'essuie sur un sopalin, je retire un trait et ainsi de suite. Ça me permet voilà, de ramener des zones plus claires. D'où le fait d'avoir mis le clair au départ, c'est quand même vraiment utile. Je ramène déjà quelques traits pour mes moustaches, même s'il faudra que je retravaille encore un petit peu cette zone-là ensuite. Et là, je me passe aux yeux, donc j'ai ramené voilà ces idées-là pour les couleurs, donc un vert clair, un vert un peu jaune kaki, un vert un peu plus vibrant, un jaune bien entendu, et un vert foncé. Je commence par la teinte médium pour pouvoir ramener à peu près la couleur de base, et après je vais ramener les teintes plus claires, les teintes plus foncées, et on finit avec les teintes vraiment très très claires pour les pointes de lumière. Donc j'ai posé mon vert kaki, un peu olive, je ramène là mon vert foncé que je commence à flouter, vous voyez, parce qu'il y avait encore les petites traces du papier visibles. C'est pas très très agréable, donc je préfère flouter quitte à revenir après par-dessus pour ramener un peu plus de nuances. Je pose un vert plus clair, un vert très très clair pour bien tout flouter. Je ramène ma petite teinte de jaune et déjà on commence à avoir des petites nuances, voilà, les reflets des yeux qui commencent à devenir un peu plus vivants. Je ramène un peu plus de contrasté puisque c'est un petit peu parti et je mets du blanc là où va y avoir du blanc.
Alors, pourquoi je le mets au début? Parce que je m'en sers pour flouter après. Là, je pose un petit peu de bleu très foncé pour dégrader mon blanc dedans pour que ça amène un sorte de noir bleu foncé avant le noir pour justement les pupilles. Donc ça me permet voilà, d'avoir un sorte de bleu grisé un peu laiteux pour être sûr déjà de bien protéger mon blanc parce qu'une fois qu'on a mis du noir, c'est très dur de récupérer du blanc à 100%. Donc je préfère avoir des petits reflets bleus dans mes yeux que des petits reflets gris-noir. D'où mon fait de mettre du bleu et du blanc avant mon noir. Et je vais ensuite passer à mon noir. Donc je pose le noir bien en bas puisque c'est là où il y a la majorité du noir vu que la lumière vient plutôt du haut de mon œil. Je l'étire un petit peu. J'en mets pas trop puisqu'après je vais justement le flouter avec mon pinceau. Donc là je l'ai pas nettoyé mon pinceau. Pas besoin, ça me permettait d'avoir déjà du bleu et du blanc un petit peu dessus. Ce qui permettait de pas avoir trop de noir qui allait s'imprégner dans mon pinceau. Et bah, comme on a des pastels à l'huile, c'est très peu fin. Donc pour pouvoir avoir des détails, il faut y aller au fur et à mesure, repasser dans un sens puis dans l'autre. Donc c'est-à-dire avancer avec le noir ou avancer avec la couleur pour avoir quelque chose de plus net. Je ramène un peu de blanc que je floute. Enfin, voilà, j'essaie de peaufiner mes détails au niveau de mes yeux. Donc la pupille, l'iris, on est à peu près satisfait. Maintenant, je vais ramener des ombrages et du cernage au niveau des yeux. Comme vous pouvez le voir, on est limité vraiment en termes de lignes fines. Donc il faut vraiment y aller au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai posé mon noir, pour pouvoir recouvrir par-dessus avec du beige, avec du blanc, avec mon pinceau, pour affiner les traits noirs que j'ai pu mettre. Et là, je vais m'attaquer donc aux babines. Donc c'est pour ça que j'ai pris le violet, le bleu, le blanc et un tout petit peu de noir que je vais laisser de côté pour l'instant, mais que j'utiliserai tout à l'heure, pour faire un effet un peu gris bleuté, violacé au niveau de ma babine pour qu'elle reste quand même blanche. Je commence avec le violet pour faire vraiment les zones foncées au niveau des petits points des moustaches, ainsi que à la pliure de la babine qui amène à la deuxième partie donc du menton. Et ensuite, je vais rajouter voilà, quelques zones d'ombre et je passe au bleu pour amener des ombres un petit peu plus claires. Et je vais finir en utilisant le blanc pour flouter l'intégralité de ma babine. Donc vraiment, c'est le blanc qui va me permettre voilà, de tout mélanger, de tout éclaircir et de tout unifier. Il faut qu'il n'y ait plus de papier. Quand on utilise le pastel à l'huile, il faut qu'il n'y ait plus de papier de visible à la fin. C'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus facile à travailler. Donc là déjà, je pose toutes mes couleurs. Je floute un petit peu déjà mon violet avec mon bleu. Et je vais passer au blanc. Donc là je pose mon blanc bien partout, donc je pose le blanc au milieu avant pour être sûr de pas trop étaler les couleurs et ensuite j'essaie de flouter les couleurs. C'est pas super évident, le blanc est l'un des plus crémeux et donc celui qui dépose le plus de matière, donc c'est pas très très évident à flouter, vous voyez j'ai énormément mis de blanc, donc j'enlève là où il devrait y avoir vraiment que du blanc avec un des outils en sculpture pour enlever le surplus de matière. Et ensuite, je vais reflouter. J'essaie aussi de nettoyer avec l'arrière de mon pinceau selon les endroits. Et je refloute avec mon blanc. Et je vais revenir petit à petit avec des couleurs. Donc là, je pose un petit peu de beige pour ramener un petit peu les couleurs chaudes qu'on peut avoir au niveau du pelage. Comme il y a du pelage, avec une certaine couleur, ça amène des reflets. Donc il faut penser à ramener des reflets plus chauds vu que j'avais mis des couleurs plutôt froides. Comme je vous l'ai dit, le blanc avait du mal un petit peu à tout fondre, j'ai décidé de me flouter. Donc là j'ai utilisé les doigts pour que ça aille plus vite, parce que là avec mon petit pinceau de chez Sostrengren, ça allait prendre une éternité. Donc j'ai flouté avec les doigts. Je pose un petit peu de noir, donc j'ai pris avec le pinceau un tout petit peu de noir. Hein. J'ai pas du tout posé le pinceau, enfin j'ai pas posé le pastel sur le papier, c'est le pinceau qui a été posé. Ce qui me permet d'avoir des teintes très légères de grise et je vais donc en mettre au niveau du menton, au niveau du bas des babines et un petit peu au niveau voilà, du museau et des petites moustaches. J'essaie d'en mettre plus en bas et donc je commence par en bas et ensuite je remonte quand j'ai de moins en moins de matière en haut pour que ça soit plus clair. Et je ramène du violet, je vais ramener du bleu également pour justement ramener toutes les teintes qui sont maintenant très 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 peu visibles. Ce qui me permet voilà, de ramener des petites nuances qui vont répondre aux couleurs qui sont quand même un petit peu visibles au niveau de ma babine mais que ça reste subtil. Avec tout ça, mon museau a été pas mal effacé, même s'il est resté présent, et donc il faut le retravailler. Donc j'ai remis un peu de rose, un peu de beige, un peu de rose foncé. J'ai nettoyé mon pinceau en se retant avec de l'essence de térébenthine sur un petit mouchoir, ce qui permettait d'enlever le noir et toutes les couleurs qu'il y avait sur mon pinceau. J'ai flouté avec, et donc je ramène petit à petit mes intensités, mes couleurs, mais j'y vais vraiment petit à petit.
Et là, vous voyez, comme j'avais déjà du blanc, je ne refloute pas, enfin je n'essuie pas, je refloute directement, ce qui me permet d'avoir des couleurs déjà un petit peu plus passées. Et ça me permet de ramener voilà, des petits détails au niveau du haut de mes narines et de mon museau. Comme ça, on ramène un peu d'intensité, mais très légèrement, beaucoup plus légère que si j'avais pris directement le manche de mon pastel à l'huile en fait. Et je ramène voilà un petit peu d'ombrage également en dessous au niveau de la pliure de mon museau vers la bouche. Je floute, je rajoute un peu de gris, je rajoute un petit peu de bleu et de violet et on va être plutôt pas mal. Et là je laisse reposer un petit peu, je vais voir après si je continue ou pas. Et en attendant je ramène du blanc au niveau des moustaches et un petit peu au niveau des yeux pour finaliser tout simplement le dessin. Donc je pose un peu de blanc et comme je vous le disais, vous voyez, il est très texturé, donc il y a plein de petits grains. Donc il faut bien penser après à nettoyer son pinceau avec de l'essence de térébenthine et à étirer la matière et à la flouter pour que ça soit plus net et plus propre. Donc vraiment, j'ai testé de le mettre au frigo, pas pendant cette vidéo mais un petit peu après. Ils sont un peu plus durs mais il faut quand même reconnaître que là le blanc il reste quand même très très crémeux, donc il y a quand même de la texture. Donc ces pastels là, il faut vraiment les travailler avec des pinceaux et avec des outils pour aider à étirer si on veut quelque chose de plus uniforme et de moins granuleux on va dire. Et donc c'est comme ça que je m'occupe de finaliser donc tout mon pelage, donc c'est-à-dire en ramenant des petits traits de couleur, en tirant avec les pinceaux. Et on a voilà les couleurs qui apparaissent et vous voyez on a beaucoup moins de grains apparents maintenant qu'il y a du pastel bien partout. Bon par contre comme c'est des pastels je ne peux pas mettre de coup de sèche-cheveux pour réchauffer la colle et la faire fondre de mon scotch. Sinon ça ferait fondre également mes pastels donc ça détruirait tout ce que je viens de faire. Mais du coup on a pu tester et le papier a du mal à supporter le scotch, même le scotch le plus... le moins costaud que j'ai dans ma collection. J'ai voulu tester, ça me permet de savoir, le scotch de masquage sur ce papier-là ne marche pas si on ne le chauffe pas. Sauf que vous vous doutez bien que j'allais pas chauffer au sèche-cheveux une réalisation pastel à l'huile, donc je ne pouvais pas enlever le scotch. Donc bon, du coup, ça n'a pas forcément été une franche réussite en termes de protection du papier, parce que du coup, ça a un peu déchiré le papier. Mais par contre, ça a bien protégé le pastel. C'est un peu dommage, mais bon ça on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la faute du scotch. En termes de réalisation, je suis très contente. Je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à obtenir. On a un joli petit chat. Donc j'aime vraiment beaucoup le petit chat que j'ai réussi à obtenir parce que du coup j'ai testé plusieurs choses. Justement pour vraiment mettre à l'épreuve les pastels, j'ai cherché à les mélanger avec un pinceau, il n'y a pas eu de souci. Je l'ai fait un petit peu avec le doigt, il n'y a pas eu de souci. Ensemble, ça marche. Mais c'est vrai que ça a été plus délicat, mais plus parce qu'il y avait tout de suite beaucoup de matière qui se posait. Mais comme je vous l'ai dit, ça je pense plus que c'est la température que les pastels le problème. On en reparlera un peu plus tard, dans une période où il fera moins chaud, pour que je puisse vraiment vous donner mon avis. Je voulais tester de le mettre au frigo, je ne l'ai pas fait, il faudra que je le fasse. Mais j'ai un peu peur que ça dérange le pastel, je ne sais pas trop, j'ai jamais fait ça. Donc je testerai aussi de le mettre au frigo et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo quand on parlera de pastel. Pour voir justement le rendu un peu plus en profondeur en termes de texture par rapport au froid. En dehors de ça, on a pu, donc comme je vous disais, mélanger avec des pinceaux, on a pu mélanger avec le doigt, mais j'ai également pu ramener un petit peu de texture grâce au dos des pinceaux ou aux outils de sculpture. Donc ça m'a permis de ramener quand même des effets de poils qui étaient intéressants ou d'affiner certaines choses. J'ai quand même pu avoir des jolis dégradés, des jolis floutés, ramener des points de lumière. Voilà, par contre, pour le coup, c'était un régal. Ça, c'est vrai que pour ramener tout de suite un contraste ou une lumière, j'avais aucun problème. J'avais plus du mal, vu que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé, de faire des choses fines. Mais là, par contre, c'est plus moi qui ai perdu un peu la main que la faute du pastel, parce que j'arrivais pas trop bien à viser ou mettre le pastel. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais ça m'a fait par contre un bien fou. J'adore vraiment cette matière, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un plaisir à travailler. Ce qui amène à mon dernier avis final par rapport au produit, même si bon, je pense que vous l'avez vu tout le long de la vidéo, j'ai adoré ces pastels. Franchement, j'adore les pastels qui sont crémeux, qui sont pigmentés, qui sont intenses, et là, ils ont tout ça. Ils se mélangent bien, on peut vraiment utiliser les pinceaux avec un peu d'essence de térébenthine pour... Alors, techniquement... On peut le faire, je ne l'ai pas fait, mais techniquement, on peut diluer les pastels avec de l'essence de térébenthine pour
pouvoir avoir des dégradés, pouvoir flouter un peu plus, là j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et surtout j'avais pas envie d'avoir des taches de gras sur mon carnet. Parce que comme je sais pas trop comment ça réagissait, j'avais pas envie de faire des tests sur ce carnet là, il aurait fallu que je fasse sur le carnet de chez Action. Mais par contre, dégrader, flouter avec le pinceau, nettoyer mon pinceau à l'essence de térébenthine, ça j'ai eu aucun souci. J'ai pu flouter avec le doigt encore comme je vous l'ai dit, j'ai pu ramener des points, mélanger les couleurs. Franchement, ça a été un vrai régal à travailler, à faire. J'ai adoré ça. Comme je vous le dis, le seul truc, c'est que les détails, c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, les pastels, c'est très limité de faire du détail. Parce que justement, c'est très très épais. Dans tous les cas, hein, ça reste un stick. Donc, à un moment ou à un autre, ça s'affine pas, ça s'arrondit beaucoup. Donc, il n'y a plus vraiment beaucoup de points pour du détail. Donc, ça reste un défaut qui n'est pas vraiment un défaut minime. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les carandages liés aux couleurs, même si là on parle de crayons aquarellables, ils se taillent et on peut faire du détail et ils sont aussi moins larges. C'est une des raisons, c'est pour qu'on puisse faire plus de détails. Même si ça reste assez limité parce qu'on n'ose pas trop les tailler, parce qu'on a peur de gâcher de la matière. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, pour revenir sur ces pastels, j'ai adoré. Ils sont super bien. Ils se posent bien. J'ai passé un très bon moment. Franchement, si vous voulez des pastels, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont vraiment très très bons. Après, il faut avoir un minimum de coups de main pour travailler ce genre de matière. Ça, je le dis bien par contre, parce que c'est vrai que si vous n'en avez jamais testé, faudra un petit temps d'adaptation. C'est pas un problème. Et ça reste accessible. C'est pas un problème. Et personnellement, je préfère ça, par exemple, au Raphaël, qui sont beaucoup trop secs à mon goût. Après, c'est une question d'appréciation aussi. En tout cas, moi, c'est un grand oui. Voilà. Voilà. Je crois qu'on peut pas faire plus simple en termes d'avis. Voilà. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment en faisant ce petit chat. J'espère que vous avez passé également un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura aiguillé ou en tout cas au moins inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoiselleSou.com en m'achetant des illustrations, des livres de coloriage, des carnets, des éco-cups. Donc c'est tout à base de mes illustrations, mon univers. Donc je vous laisse un lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye. Heureusement que je me suis... J'avais même pas lancé l'enregistrement, heureusement que je me suis arrêtée. Oh. Ah. Il est resté accroché. Oh, ils ont l'air bien. Ouf. Oh, 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 regardez, j'ai touché, j'en ai plein le doigt. Ça, ça va être un banger. Pastel. Et le montambour, c'est ça. Oh là 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 là. Oh là là, regardez-moi ça. Ça se fond, mais comme dans du beurre. Oh là là, oh là là. Et après, on a une belle teinte. Oh là là. Et je suis sûre que si je dégrade après... Pareil. Oh là là, ah, c'est incroyable. 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 Oh ouais.